Bonjour et bienvenue dans le véritable épisode numéro 57. Simplement parce que dans le précédent, je vous ai dit que c'était le 57. Et en fait, je me suis trompé, c'était le 56. Mais ça ne change rien du tout. La boussole! Ah ouais, donc en fait, le sous-sol, c'est vraiment juste un gigantesque labyrinthe. Il n'y a rien. Il y a juste deux coffres. Enfin, il y a le boss quand même. Donc il n'y a pas rien, mais il y a un vrai coffre, apparemment, et puis il y a le coffre, le trésor qu'on a là, après le boss, je suppose. D'ailleurs, même dans les autres étages, il n'y a pas énormément de coffres. Ici... Où est-ce que je suis? Ah oui, je suis encore au rez-de-chaussée, là. Donc c'est pas la peine de mettre une bombe là-haut, puisque je suis déjà allé là-haut. Ouh, c'était juste. Au revoir les Stalfos. Des sous. Allez, on replonge dans le labyrinthe monstrueux. Pas de si monstrueux puisqu'il n'y a pas de monstres en fait. Très peu de monstres. Donc là, je suis évidemment déjà venu. Non? Si, je suis déjà venu, mais j'étais de ce côté-ci. Ouais. Donc j'étais pas vraiment déjà venu. Encore un sens unique. Encore un sens unique. Par où commencer? Dans le doute, je fais demi-tour. D'accord, là on est bloqué. Comme ça c'est clair. Et là on est bloqué. Comme ça c'est clair. Tant mieux, ça simplifie la visite. Ça coupe des branches d'exploration. D'accord. Donc là, ça sert à rien si ce n'est revenir ici. Donc, nouvelle branche d'exploration qui se trouve être une impasse. Donc, on continue par là, obligatoirement. Oh! Des blocs marrons. Donc, je suis obligé de faire ça. Pour commencer. Mais je vais quand même essayer de tous les mettre sur zéro. Juste pour être sûr qu'il se passe rien. Il se passe rien. Merci pour la petite bouteille d'énergie magique. Ça fait toujours plaisir. Ici je suis bloqué. Ici je peux pas aller ailleurs. Nouvelle branche et nouveau choix. Des pierres lourdes. Ça voudrait dire que le trésor du donjon serait le bracelet de force numéro 2. Donc là, je peux éventuellement aller en bas. Que je puisse les péter avec des bombes, mais ça m'étonnerait. J'ai déjà vu ce genre de pierre, ben c'était d'ailleurs dans ce temple-là. Tout bêtement. Au rez-de-chaussée. Ouais.
Alors, faudrait quand même que je me concentre parce que là, ça devient compliqué. Ok, ici, c'est une impasse puisque ça me ramène là où j'étais. Et ici, ça me ramène aussi là où j'étais. Donc tout ça, ça sert à rien. C'est juste des impasses. Ça sert pas à rien, il y avait quand même un escalier. Et je retiens que j'ai pas tout visité en allant vers le sud. Je vais par là, il y a un coffre. Est-ce que je suis déjà allé en bas? Non. Et là, je suis déjà allé à gauche. Oui. Comment je vais pouvoir retenir qu'il faut que j'aille là? Rez-de-chaussée tout au nord. Je vais essayer de mettre ça dans un coin de ma tête. Ensuite, je disais donc, j'ai pas fini de visiter dans cette direction du labyrinthe. Puisque ça, c'est des nouveautés. Ok. Donc là, on a deux escaliers possibles encore. Et en bas? En bas, je suis déjà allé. Oui, je me souviens. Je crois me souvenir en tout cas. Bon, bah celui-ci, c'est réglé. Et l'autre? Un coffre! Ah oui, d'accord, je suis là. Ah non! Oh, quel nul de mourir juste à ce moment-là, alors que j'aurais pu mourir après avoir pris le coffre. Bon, ben, on est reparti pour faire tout le chemin. Donc, par où il fallait partir déjà? Pas par là non plus. Donc par là. Je suis déjà presque mort. Je suis pas très attentif au cœur dans ce donjon. C'est comme il n'y a pas trop de monstres, je fais pas vraiment attention. Non, c'était l'autre. Attention à pas mourir. C'était chaud. Une petite clé. Donc je sais parfaitement où l'utiliser. Ah maintenant je sais pas. Puisqu'il y a des pierres noires qui bloquent le passage de la porte. Là par contre ça me dérangerait pas de me faire tuer. En fait pour repartir, faut que je fasse ça. Et là je suis où déjà? Ah oui, bah c'est bon. Alors si j'arrive à survivre, je vais essayer maintenant d'aller rechercher la porte que j'avais débloquée tout à l'heure.
Donc logiquement, c'est par là. Oula. Non, non. Bon, c'est bon, là, je suis tranquille. J'ai même plus besoin de les tuer. Oups, c'est pas du tout par là. Maintenant, j'ai oublié de faire ça. Non, je peux aller par là aussi. Je suis vraiment pas très sûr de moi. Non, c'est pas bon. À la rigueur, je peux aller à droite. Non, c'est pas bon d'aller à droite. Et si je vais là? Non. Et si je vais là, c'est retour direct au départ. Et si je vais là aussi, bon bah tant pis. Et eux, je les déteste. Est-ce qu'il faut passer par là? Peut-être bien. Qui sait? Pas du tout. Oh. Donc par là. Ça me semble mieux déjà. Objectif, survivre avec un cœur et demi. Ça va. Ok, donc c'est là que je voulais aller. Mais de l'autre côté. Il faut que je descende. Et je peux pas passer par là. Je peux pas passer par là. Ce labyrinthe est plutôt bien fait quand même. C'est vraiment pas mal. Là, je pense pas que ce soit par là. Donc si ça se trouve, c'est quand même par là. On va bien voir. Ah. Où est cet escalier? Il est dans la prochaine pièce? Non. Ah non, puisque... D'accord, oui. Là, je suis déjà tout en haut par rapport au... Tout au nord par du rez-de-chaussée. Ouf. Donc là, je suis déjà venu, mais c'était fermé ici, je crois. Voilà, ça c'est du nouveau. C'est maintenant qu'il faut pas mourir. Porte verrouillée, j'ai même pas peur, j'ai une clé. Et là, je dirais que ça va ouvrir un accès. Pour venir facilement. Je commence à connaître l'architecte de tous ces donjons. Et là, on ouvre un deuxième accès, qui change quasiment rien par rapport au premier. Enfin, pardon, un troisième accès, qui change quasiment rien par rapport au deuxième. Et on est au sommet.
Oh la vache. Donc c'est là qu'il faut pas tomber. Oh, wow. Logiquement c'est par là. Ça va, c'est ultra direct pour revenir. C'est bien fait, hein. Donc c'est pas l'arc. D'ailleurs, je peux rester ici tranquillement. Si c'est pas l'arc, qu'est-ce que c'est? C'est pas le grappin. Peut-être qu'il faut juste se laisser tomber. Moins 1. En tout cas, je suis dans une salle que j'avais jamais atteinte. J'ai pas envie d'aller voir cette porte parce qu'après, je risque d'avoir du mal à repasser, à revenir ici. À cause des vases. Et là, ça me renvoie direct à l'entrée du donjon. Et là, c'est rien du tout. Donc peut-être qu'effectivement, il fallait pas tomber. Ah, une gemme de force. Donc c'est bon, on peut passer. Ah. Ok, bon, bah on va réessayer, mais je sais pas du tout comment il faut le tuer, lui. Parce que j'arrive pas à lui renvoyer ses boules de feu, j'arrive pas à lui envoyer... à le blesser avec mes flèches. Donc là, mystère. Et en plus, il me fait super mal à chaque fois. Il recule quand même quand j'envoie les boules de feu, donc peut-être qu'il va finir par tomber dans le trou. Ah oui, c'est ça. Excellent. J'adore le concept. Bataille de tapis roulant. Excellent. Bravo, pour l'instant, ce donjon, il me plaît bien. D'ailleurs, la plupart des donjons dans ce jeu, pour l'instant... me plaisent bien, y'a aucun problème. Ça y est, je l'ai eu! Alors, ce qui ne m'explique pas... à quoi ça a servi, en fait. J'ai ouvert la porte, là-haut. Mais... ah bah oui, je suis bête, j'ai le grappin. Les gants des titans! Oh, trop bien! Je m'attendais pas à avoir ça maintenant, parce que... dans le temple de l'eau, par exemple, il n'y en a pas du tout besoin. Ok, donc avec mes gants, je peux retourner au moins 1. Genre par ici. Et retourner aussi au début du donjon, enfin au rez-de-chaussée. Parce que le début n'est jamais loin de toute façon. Alors... je voulais aller au moins 1, je me retrouve au premier. Bon, ok, on peut aussi faire ça. On peut commencer par là. D'accord. Donc maintenant, faut réussir à revenir là par l'autre côté. Quel labyrinthe! C'est incroyable. Donc... c'est-à-dire par là. Ouais. Et deuxièmement, il faut retrouver l'autre endroit. Ah oui, mais l'autre endroit, on avait besoin d'une petite clé de toute façon. Donc... bon, je vais essayer d'aller par là. C'est trop tard.
Ok, si je me souviens bien, là on est bloqué. Et donc, finalement, je suis pas très loin de là où je veux aller, mais ça veut rien dire dans ce donjon. Enfin, à cet étage en tout cas. Ça veut rien dire. Là, il faut pas y aller. Ouais, c'est ça, il faut faire tout le tour par ici. Voilà, ça c'est un petit tour que j'ai déjà fait 2 ou 3 fois. Après, il me semble que ça, c'est, il faut pas y aller. Oh là là. Allez, va-t'en. Voilà, c'est ici que je veux venir. Yes, gagné. Dans ce jeu, il faut savoir lire une carte. Bon. Ah oui, je peux pas revenir facilement en arrière, c'est vrai. Il n'y a que des sens uniques dans cet étage. J'adore. Oh là là, c'est pas du tout par là. Je suis obligé de faire ça en fait. Et de tout recommencer. Oups. Quand je dis tout recommencer, c'est recommencer le même circuit à nouveau. Parce que maintenant, je veux atteindre la porte verrouillée qui était derrière 3 pierres noires. À condition que j'ai pas game over avant. Voilà. C'était ici, tout simplement. Ta-da-da-da, la clé du boss! Et ben voilà, on n'a plus qu'à aller le voir. Ce qui sera pour le prochain épisode. J'espère que, contrairement au boss du temple de l'air, ça va pas durer un épisode entier. On verra ça tout à l'heure. Allez, à bientôt, salut!